Alors ici j'ai fait ce dessin, en fait c'est un assemblage de barres comme ça, tu vois ici des barres comme celle-ci, en fait chaque barre représente une unité, donc chaque barre c'est 1. Donc finalement ce dessin représente un certain nombre de barres. Alors je peux évidemment compter combien j'ai de barres en tout mais c'est un petit peu long et pas très pratique. Alors ce que je vais faire ici c'est essayer d'utiliser les 10 chiffres de notre système, donc les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour savoir combien ici j'ai de barres en tout, de manière un petit peu plus simple que simplement en comptant comme ça. Alors en fait, je vais commencer par faire des groupes de 10, hein, donc pour faire apparaître des dizaines. En fait, du coup, ce que je vais faire, c'est voir combien j'ai de dizaines dans tout ce dessin qui est là. Alors je vais commencer par compter des groupes de 10. Donc je compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Donc finalement ici, là, ça, c'est déjà une dizaine. Donc là, j'ai déjà un groupe de 10. C'est déjà une dizaine. Donc là, j'ai une dizaine. Alors maintenant, je vais continuer. Je vais regarder combien d'autres dizaines je peux faire. Donc je compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc là, j'ai une autre dizaine. ici un autre groupe de 10, c'est-à-dire une dizaine. Donc là j'ai une dizaine encore. Voilà. Et puis je continue, je regarde combien d'autres dizaines je peux faire. Alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc là j'ai une autre dizaine. Voilà. Donc je l'entoure comme ça. Alors, un autre groupe de 10, donc une autre dizaine. Ensuite, je continue, on va voir si j'arrive encore à faire une dizaine là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, si je prends celle-là, toutes ces barres ici, eh bien, en fait, j'ai une autre dizaine. Voilà. Donc là, j'ai encore une dizaine. Voilà. Et donc finalement, ce que si je regarde uniquement les, les blocs que j'ai faits de 10, hein, les groupes de 10 que j'ai fait, en fait, ça représente une dizaine plus une dizaine, plus une dizaine, plus une dizaine. Cette dizaine-là, plus cette dizaine-là, plus cette dizaine-là, plus cette dizaine-là. Voilà. Bon, alors, ça déjà, je, ça me donne une indication parce que finalement, je sais qu'en tout, là, si je prends tout ça, je vais avoir 4 dizaines. 4 dizaines. Là j'ai une première dizaine, une deuxième dizaine, une troisième dizaine et une quatrième dizaine. Ça correspond à faire une dizaine plus une dizaine plus une dizaine plus une dizaine. Plus une dizaine. Voilà, alors ça c'est déjà pas mal, il faut que je mette un S à dizaine, ça sera mieux. Et puis ensuite, en fait, je n'ai pas tout compté puisqu'il me reste ces, ces deux barres-là. Alors chacune de ces barres, ça, ça c'est cette barre-là, c'est une unité, une unité, et cette barre-là... Cette barre-là, ben, c'est une unité aussi. Voilà. Donc en tout, là, j'ai ce qui me reste ici, là, les deux barres qui sont là, ben, ça représente deux unités. Alors je vais l'écrire ici. Ça, c'est deux unités. Deux unités. Donc finalement, j'ai dans toute cette barre-là, j'ai une, une dizaine plus une dizaine plus une dizaine plus une dizaine plus deux unités. Donc en tout, j'ai quatre dizaines plus... Deux unités. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce que je peux faire pour écrire ce nombre-là de la manière habituelle, c'est-à-dire en utilisant les unités de numération, comme on le fait d'habitude Donc dans notre système à nous, comment est-ce que je peux faire pour écrire ce nombre-là ben, Dans notre système, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des positions, et la position qui est la plus à droite, c'est la position des unités. C'est-à-dire que c'est celle où on va indiquer le nombre d'unités. Et donc ici, bah c'est 2, puisque j'ai deux unités. Donc là, je vais mettre un 2. Et puis la place qui est immé immédiatement à gauche, qui est là donc, ça c'est la place des dizaines. C'est comme ça qu'on qu fait pour représenter un nombre avec nos chiffres. Et donc ici, j'ai 4 quatre dizaines. Quatre dizaines. Donc c'est exactement ce qu'on fait avec notre manière de décrire les nombres. Hein. On regarde combien on a de dizaines et puis combien on a d'unités. Donc le nombre le plus à droite ici représente le nombre d'unités, c'est 2. Ces et le nombre qui est immédiatement à gauche, c'est le nombre des dizaines. Donc ici, on a exactement 4 dizaines et 2 unités, ce qui est exactement du coup ce qu'on a compté ici. Hein. Voilà, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est dire ce nombre-là, on dit c'est 4 dizaines plus 2 unités. Et en fait, on ne dit pas comme ça, on, a, on dit 42. 42, et d'ailleurs. 42, on peut l'écrire comme ça aussi, puisque c'est 40. 40, ça c'est 4 dizaines. 4 dizaines, c'est 4 dizaines et 0 unité. Donc c'est pour ça qu'on l'écrit comme ça, un hein, 4 avec un 0 juste à côté, il y a 0 unité et 4 dizaines. Et puis donc 42, c'est 40 plus 2 unités. Donc 40 plus 2. Voilà. Alors ça c'est important parce que... Ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on écrit 42 de cette manière-là. C'est 40 plus 2 ou alors 4 dizaines plus 2 unités. 4 dizaines, c'est 40. Donc, de toute façon, on obtient effectivement le, le même nombre.